the coke and rum, you stay up, hoping I'll come home. Don't wait up, cause I'm way too gone. Don't wait up, wait up. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche. Il faut vraiment que je me mette à faire des réglages sur cet appareil. Je sais pas ce que Anna a touché, mais il n'est plus du tout stabilisé. Du coup, vous avez un peu mal au crâne quand je bouge avec la caméra. Du coup, j'essaye de faire au plus doucement. Il fait super bon aujourd'hui. J'ai tout aéré en haut. Et je crains pas de laisser ouvert en fait et de descendre et de rester en bas avec Mister et Anna. Parce qu'il fait vraiment très très bon, donc grand soleil et tout, donc ça fait trop plaisir. Là je descends à ma buanderie qui est très jolie. Regardez-moi ça, c'est beau n'est-ce pas? Non mais c'est... j'aurai une très très belle buanderie une fois qu'on se sera attaqué au bas. Parce que la buanderie fait partie du bas. Et là clairement on n'a pas encore commencé. Je vais remplir mon petit linge à laver et je vais rejoindre Anna et Mister qui sont dehors et après je vais montrer m'habiller, me changer, etc., prendre une petite douche parce que voilà, on est dimanche, il est 10h, j'ai monté mon vlog ce matin et tout, franchement slowly slowly, mais ouais je suis contente, c'est une belle journée qui commence, donc ouais j'en profite. Bref, bienvenue à vous dans une nouvelle journée. Oula. Extérieur. T'as vu, c'est fou hein. Là faut les arracher une par une comme ça. Non mais quand tu vas repasser un coup de motoculteur, ça va les arracher les dernières. Ouais, il faut vraiment que j'insiste sur cet endroit. Ouais, ici particulièrement quand on a acheté la maison, cet endroit, il y avait des... les mauvaises herbes, elles arrivaient à peu près au niveau du ventre, non? Oui. Au niveau du ventre de Mister. Et ça faisait des branches toutes secs, toutes sèches, ultra dur à enlever. Du coup il fallait du matériel... de bons jardiniers pour les enlever. Heureusement qu'on a un jardinier dans la famille. Attention Anna, tu vas te faire mal. On fasse un petit atelier plantage de patates. Plantage de patates? Ouais. Envie? Allez. Tu vas chercher les patates? Non, pas maintenant. Tu veux qu'on le fasse quand? Ben là, je vais juste me changer et tout. Après, je... Ah, tu vas aller te changer? Ouais. Je vais préparer l'endroit. Après, tu vas faire tes patates après? Moi, je voulais faire un petit... plantage de patates avec Anna et tout. Oui, on va le faire, t'inquiète. Bon, je suis remontée, Mister et Anna, ils sont restés en bas. Et moi, je vais aller prendre une petite douche et me changer rapidement, me maquiller et tout. Parce que franchement, j'ai une petite mine. Et j'ai les lèvres bleues quand je suis enceinte parce que je suis en manque de fer. C'est pas très joli tout ça. Donc, je vais fermer les fenêtres parce qu'il fait très bon. On entend les oiseaux et tout, c'est trop cool. Mais quand même, ça se rafraîchit. Donc, on va fermer. On va fermer. Et on va aller se pomponner. J'ai toute une panière à linge à ranger. Je le ferai plus tard. Hein. Donc je vais juste prendre ce que je veux mettre. Ouais, je vais mettre mon petit jean de grossesse Shein. Et un petit top. Ah si, on voit un petit col roulé. Hop, voilà. Comme je suis encore malade. Petit col roulé, c'est pas mal. Voilà. Et puis le linge, on s'en occupera plus tard. Allez, je vais me faire une petite tête et je vous retrouve. Et voilà, je me suis fait une petite beauté, mais vraiment très très rapide. Mascara, sourcils, anti-cernes et baume à lèvres. Ce bruit, c'est ma mère. On va la rejoindre. Cuando dice que me quieres, no sé, que está con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña, yo no soy boy, sé que me engañas. Estás loco llamándome, romántico.
cel para no contestarte. Mientras hay otra en tu cama, nunca pude imaginarme que era así estar con vos. Merecí la lección, ahora ya no quiero. Busca tu otro cuero y nada de te amo forever. Tu inglés malo, dejar de ti para mí sería un regalo. Ya no tendré nadie como tú. Baby, esa es la actitud. Sé que me quieres, no sé. Quedar con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy rubia y sé que me engaña. Sé que me quieres, no sé. Quedar con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Que tu bla bla contamina. Dice que estás en otro lado y estás en Carolina con ella. Ah, bon. Nos parents viennent de partir. Et là j'avais trop envie d'un petit thé. Donc deuxième round de thé. Pour le goûter avec des petits cookies au chocolat. Je sais ce que tu te dis. Tu fais partie de celles qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et qui m'ont laissé un commentaire dans le dernier vlog. Vous m'avez toutes dit, Basma, lève le pied sur le thé parce que c'est pas bon pour le faire. Je sais, mais c'était plus fort que moi. Des cookies, comme elle dit à nous. Cookies. Et c'était trop cool. C'était un petit dimanche en famille. On a fait le goûter avec les parents de Mister et mes parents. Et mes parents, ils sont venus bien avant. Du coup, on a fait un petit barbecue avec eux, comme vous avez vu. Un petit barbecue très improvisé. Ouais, très improvisé. Bon, c'est le premier de l'année. Le premier d'année, en général, il est très, très, tu vois, très improvisé. Franchement, dites-lui que c'est pas un vrai marocain. C'est pas juste comme... pour chauffer les verres. C'est pas comme ça qu'on... Oui, mais c'est... Il veut pas mieux ça, parce que je crois que je mets pas assez de grains. Oui, parce que tu. Nous, on préfère le thé pas trop fort. Ouais, quand il est fort, comme la, genre quand il a la couleur de l'ice tea. Ouais, c'est trop fort, ouais, c'est vrai. Mais il y en a qui le boivent comme ça. Tu veux boire direct ou tu veux laisser un peu? Non, on va laisser un peu infuser. Et du coup, on s'est fait un petit thé avec de la petite menthe. Je suis trop contente parce que la menthe. Mais j'étais vraiment convertie au thé. Ouais, c'est vrai. Je suis trop contente parce que la menthe recommence à avoir du goût. Tout l'hiver, franchement, elle a pas un goût de ouf. Elle a pas de goût du tout, même. Ouais. Elle est fade, inexistante. Et là, ben, ça recommence à sentir le frais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est plus déterminée. Tu veux, tu veux encore une banane? Mimi, la banane? Non, on va prendre la toute petite là. Ouais. Tu veux celle-là? Viens, viens. Tu veux? Tu dis s'il te plaît, papa. 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 Allez, voilà, tout le temps. Ouais. Trop choupinette. Coquille. Allez, viens, Coquille, viens. Bon, ben voilà. Ouais. Une après-midi super cool. Ouais, trop cool. J'ai montré à ma mère et ma belle-mère les habits de Baby Boy parce qu'ils les avaient pas vus. Du coup, je leur ai montré les petites tenues et tout. Et je suis trop contente parce que. Elles vont demander, enfin elle, ma ta mère, m'a demandé du coup la tana pour combien de temps. Et après je lui dis bah, d'ici un mois, il peut arriver quand tu veux. Et j'ai pris conscience de ce que je voulais dire, d'ici un mois, il peut arriver quand tu veux. Et c'est trop cool. C'est trop trop cool, j'ai trop trop hâte. Donc voilà. Bref, allez, bon goûter à nous. A decir que te amo forever. Con tu inglés malo, dejarte a ti pa' mí sería un regalo. Ya, no tendré nadie como tú. Baby, esa es la actitud. Bon, nous sommes sortis un peu balader avec Olia, qui est juste là. Grosse. Sortie avec ses petits jouets. Et du coup, Mister, il voulait me montrer quelque chose. Mais c'est ça, un plant d'artichaut. C'est un plant d'artichaut, ça? Ok. Ah, je sais pas, ben, c'est un plant d'artichaut sauvage. C'est pas sauvage, je pense que c'est quelqu'un qui les a plantés il y a des années et en fait ça repousse à chaque fois. D'accord, ouais, parce que ce champ il est à la mairie. Il est énorme le plant. Ouais, de ouf. Il y en a un qui a été arraché là-bas, regarde. Quelqu'un qui a dû le prendre pour chez soi. Ah ouais. Tu vois ? Ouais, donc on est sortis promener en famille. Tous, on est tous là. Même Olia. Ouais.
Oh là là, c'est trop cool ces journées-là, comme ça, quand il fait bien bon et que t'as les parents, les beaux-parents, tout le monde vient. Ouais. C'est joyeux et tout, c'est trop cool. C'est cool. Ouais, ça enlève un peu la tristesse de l'hiver. De ouf. En plus, la menthe, elle recommence à avoir du goût. La meuf qui est obsédée par la menthe. Par la menthe, la menthe. La menthe, la menthe. Ah là là, c'est trop cool. Bref. Allez, on va promener un petit peu et on vous reprend tout à l'heure. Bon, on est bien remonté. Là, j'ai pris le petit bain de Anna. Je vais sécher les cheveux. Je vous dis pas comme j'ai chaud à cause du sèche-cheveux. Et là, ben, c'est mon tour à moi. Donc, je vais prendre un petit pige et on va aller à la douche. Ouais. Oh, mais oui, je suis toute rouge. La chambre, non. La salle de bain, je vous dis pas comme c'est un sauna. Ce serait bien que je mette un ensemble entier de pyjama. Oh, oh, oh! Ça a failli tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes, Noun? Et ça y est, pyjama, tout le monde est au dodo. Il reste plus que moi. Donc, bah, écoutez, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, ce petit dimanche avec nous en famille, etc. J'espère que vous, de votre côté, vous aurez passé un bon dimanche. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog. Ciao!